What it do, baby? Gros pad aujourd'hui. Yo, je suis assis sur mon portefeuille, man. Laisse-moi. Tu sais, quand tu mets ton portefeuille dans ta poche arrière, puis t'oublies qu'il est là, puis depuis tantôt, je suis comme mieux. Il me semble que je suis débalancé. Il me semble que j'ai mal au derrière. J'ai encore la marque de l'araignée sur mon mur, hein. Ceux qui ont écouté le podcast de lundi au complet avec Isabelle Racicot savent, hein, ceux qui ont écouté la fin du podcast savent ce qui est arrivé. J'ai laissé la marque sur le mur pour que les autres araignées sachent, hein, pour qu'ils soient au courant de ce qui peut arriver si tu me surprends. La marque est là, je la pointe. Vous me voyez pas, mais je la pointe. Mais ouais, j'avais le portefeuille dans le derrière, là, je suis confortable. Je suis vraiment content de vous donner un autre épisode de Sans Restriction. On est rendu à quoi? 110, 111, 112, c'est vraiment le fun. Merci de tout le temps à l'écoute. Bon, là, vous savez, on fait un live show dans quelques jours, le 6 mai prochain, donc une semaine avant ma fête. Le 6 mai prochain, on fait un show live. Déjà, beaucoup de billets vendus, je suis comme, yo, vous savez même pas qui vient. Vous êtes parfait. Et comme j'ai dit dans la story Instagram, j'annonce le premier invité du show live et c'est sans aucun doute un de mes bons amis dans la vie. C'est mon frère d'une autre mère, champion olympique two times, bientôt trois, Michael Kingsbury. Donc Michael Kingsbury va être sur le show live, puis naturellement, vous allez pouvoir poser des questions, on va pouvoir interagir. C'est vraiment quelque chose là qu'on essaye, mais qu'on veut faire le très souvent, parce que c'est votre chance de rencontrer vos athlètes favoris et favorites, whatever, là, vos prefs. C'est votre chance de rencontrer vos prefs, leur poser des questions, de faire des sondages en live. C'est pas juste un live Instagram qu'on fait, non, on fait un show. Puis si je pouvais faire des fous de feu d'artifice dans le building, je pense qu'on le ferait. Donc 6 mai prochain, les billets sont sur Eventbrite. Premier invité, Michael Kingsbury. Avant d'aller au pad avec Alex Barry-Boulet du Lightning Tampa Bay, bon, faut que je dis mon piece. On a tout vu qu'est-ce qui s'est passé avec le championnat du monde féminin. Vous savez, ces filles-là, je les aime till I die. Faut que je dis mon piece. So, my bad. Ça va être un petit peu plus long avant qu'on écoute Alex. What the fuck? Comme, pour de vrai, qui... Puis je sais, il y a des gens qui prennent des décisions à des place très très haute, là, qui devrait pas être à ces endroits-là, OK? Dans le hockey féminin. Ça, on est au courant de ça. Ça, on le sait. Puis si vous le savez pas, un jour, ça va être dévoilé dans le monde entier. Il y a des gens qui prennent des décisions qui sont pas capables de différencier de la gauche puis de la droite. Par contre, dans toute cette tournade d'incompétence, on oublie les joueuses, on oublie nos girls à nous, les filles qu'on suit, qui n'ont pas joué depuis 140 quelques jours entre les deux championnats du monde. On oublie une fille comme Anne-Sophie Bété qui se fait couper de l'équipe à 22 ans, qui retourne sur l'équipe à 32, qui fait tout pour se battre pour aller à un deuxième championnat du monde après le succès qu'elle a eu en Finlande, puis qu'on lui enlève le tapis sous le pied comme ça. Puis tu sais, je sais que les gens vont dire, mais pourquoi ça marche avec les boys et ça marche pas avec les filles? Mais à un moment donné, il faut que ça vienne de nous. Faut qu'on crée une mutinerie. Il faut qu'on dise, guys, on n'est pas juste des fans de hockey. On n'est pas juste des fans de hockey masculin, on est des fans de hockey féminin aussi. Parce que si t'es fan de hockey, t'es fan de hockey féminin aussi. Sinon, si t'es juste fan du Canadien, t'es fan de hockey masculin. Et puis c'est chill. J'ai pas de stress si t'es fan de hockey masculin. Mais viens pas me dire que t'es fan de hockey. Parce que le Québec, c'est pas une ville de hockey, c'est une ville de hockey masculin. Parce que si c'était arrivé aux boys, god damn, ça, Pierre Bruno en parlerait demain matin. Eh bien, bonjour, le championnat du monde d'hockey masculin a été annulé. C'est demain matin à la télévision. Non, là, c'est les girls, puis on est comme, ah, yo, on va partager le message de Jill, tu sais. God damn! Melo Daou, Pou, Laura Stacy, Jill Saunier, Sarah Nurse, Spooner, Blair Turnbull, même ça me fait peur, god damn, Blair Turnbull aussi. Toutes des filles Blair, elle est pas encore venue. L'entrevue avec Blair est enregistrée, on l'a juste pas encore mis en ligne. Mais toutes des filles qui sont venues sur le pod, vous avez vu à quel point elles sont attachantes. Vous avez vu à quel point
ça vaut la peine de se battre. Puis j'ai juste nommé les Canadiennes. Kendall Coyne, Hillary Knight, vous avez vu sous le pod à quel point ils, tout ce qu'ils veulent, c'est un semblant d'égalité. Ils veulent même pas avoir plus que les boys. Ils parlent même pas en termes d'argent. Ils parlent en termes d'opportunité, guys. Ils veulent pouvoir boire de l'eau comme les gars boivent de l'eau. Ils veulent pouvoir marcher sur la même ligne droite que les boys marchent. C'est quoi que vous voulez de plus? On parle pas d'argent, là. Non, on parle pas d'argent. On parle juste de la base de pouvoir jouer. Pourquoi les moins de 18 ans jouent pis pas eux? Parce que c'était une priorité, les moins de 18 ans. Et à un moment donné, là, je sais que l'intro est longue, ma bad, là, mais fallait que je dise mon piece, man. J'ai dit mon piece et puis that's it. C'est juste triste parce que il y a des gens qui prennent des décisions qui devraient pas être là, man. Puis c'est au détriment des joueuses. Au détriment des joueuses. Puis ça, je trouve ça triste pour elles. Je trouve ça... il y a des gens là qui sont en train de briser des carrières en ce moment, là, par leur incompétence. Par leur manque de jugement, leur manque de respect, leur manque d'initiative, sont en train de coûter des carrières en ce moment. On va arrêter de blâmer le monde entier, là. Puis on va commencer à partir. Qu'est-ce que moi, individuellement, je peux faire pour le hockey féminin? Comment moi, personnellement, je peux aider le hockey féminin? Est-ce que c'est en allant suivre les filles sur Instagram? Est-ce que c'est en partageant des trucs dans mes stories ou de faire des posts ou d'aller voir des matchs quand on va avoir la possibilité ou d'écrire à des entreprises télé et puis dire « Moi, je veux voir du hockey féminin. » Est-ce que c'est d'écrire une lettre ouverte qu'on va tous, la planète entière, signer? Est-ce que, tu sais... Pensons à ça ensemble, puis on va le réaliser, sa restriction. On va réaliser quelque chose. Pensons à quelque chose, envoyez-nous des DM, là, puis on va foutre le réaliser, goddamn. On va tout faire en sorte pour que le hockey féminin soit mis de l'avant. Parce que en ce moment, c'est fucking pathétique. Maintenant, sur un autre ton, l'intro est long, my bad. Fallait que je dise mon piece. Fallait que je parle ma parole, parce que, bon... Oui, Alex. Bon, le frère Alex. Alex, il venait de la classique il y a 2 ans. J'espère qu'il va être là cette année aussi. Alex, un gars qui s'est fait rappeler de Syracuse pour aller jouer avec le Lightning de Tampa Bay. Vous allez voir dans la discussion qu'on a eue avec qui l'ont fait jouer dès le départ. Un livre ouvert sur Alex. Puis attendez qu'on parle du numéro qu'ils lui ont donné. Juste ça vaut la peine d'écouter le pod. Donc, on s'en va écouter Alex Barré-Boulet. Je vous rappelle le show live 6 mai prochain. Et je vous rappelle le gear sans restriction sur le zonekr.ca. Il y a un de nos auditeurs, Torts, qui s'est fait faire sa propre chemise. Zone KR, sa propre chemise, sa restriction de baseball, là, les flamants que j'ai postés sur mon Instagram, ils se l'est fait faire, là, c'est en train de se faire, puis on s'en va lui envoyer. Donc, si vous pensez à quelque chose, si vous voulez quelque chose de sa restriction personnalisée, no matter what, on peut le faire arriver. Sur ce, l'intro est longue, mais ça valait la peine de la faire. 250 secondes, Alex Barré-Boulet. Bon, je suis vraiment content de l'avoir sur le pod parce que, bon, ce gars-là, je suis depuis qu'il joue junior. Là. Moi, j'ai vu jouer junior, après ça, Ligue américaine. Puis maintenant, comme les boys, ils disent, il est rendu dans le show. Il est rendu qu'il joue sur le power play du Lightning de Tampa Bay. Comment ça va, man? Ça va bien, toi? Ouais, tu vas voir, Alex. Comment ça se passe, là? Est-ce que tu redescends un peu de ton nuage ou t'es encore pas mal sur un nuage, là? Je suis un peu redescendu du nuage parce que, tu sais, c'est le deuxième call-up que j'ai en dedans de 2 mois. Là. Tu sais, la première fois, je me suis fait caller, je suis resté 1 mois, j'ai joué 2 games, puis là, ça fait une semaine, puis j'ai joué 2 games. Fait que, tu sais, j'étais retourné 2 semaines entre-temps à Syracuse, fait que j'avais eu le temps de descendre du nuage un peu, tu sais, le deuxième call-up, puis, tu sais, c'est toujours spécial de se faire call-up, mais l'émotion n'était pas pareille que la première fois, c'est sûr. Mais mettons, là, le premier call-up, puis après ça, tu redescends reprendre l'autobus, c'est comment? Ouais, c'est... c'est tough, surtout que, tu sais, cette année à Syracuse, on joue contre 3 équipes. Ouf. À cause de la COVID puis tout. Ouais. Donc, puis Wilkes-Barre, qui est environ à 2h30, tu le fais toute game day. Fait que mes 2 premières games, quand je suis revenu, c'était à Wilkes-Barre, 2h30 de poste avant la game. C'était assez tough. Tu sais, c'est sûr, c'est pas...
T'sais, c'est des bons joueurs dans la Ligue américaine aussi, mais je jouais pas avec les mêmes gars. Ça a été dur de m'ajuster, de vrai. Ça m'a pris un 2-3 games quand je suis redescendu pour retrouver ma game là, comme j'étais avant. Mais on s'entend, là, tu brûlais à Ligue. Bon, là, tu brûlais, t'as tout brûlé à Bléville-Beaubriand, 116 points, 65 matchs. La dernière saison, t'étais tout feu, tout flambe. Bon. Après, t'arrives à Syracuse, première saison, t'as 68 points. Deuxième, 56 en 60 matchs, presque encore une fois un point par match. Puis là, ta troisième, t'as 12 points. Là, ça a comme pris du temps avant qu'ils remarquent que t'étais fort, ou c'est juste parce que Tampa Bay, ils vous laissent longtemps des mineurs, là? Ben, je pense que ça dépend quel genre de joueur que t'es. Tu sais, je suis pas un joueur, je pense, de quatrième. Je suis pas le gars le plus physique sur la terre. Je pense que le Lightning, c'est quand même une équipe assez difficile à percer l'alignement au début de l'année. Ah ouais. T'arrives là, puis honnêtement, l'équipe, à part un gars ou deux, peut-être est déjà faite quasiment. Fait que c'est assez dur de percer. Puis je pense pas que c'est une mauvaise affaire de jouer 2-3 ans dans la Ligue américaine. Parce que tu sais, j'aime mieux jouer 2-3 ans dans la Ligue américaine pour avoir peut-être une plus longue carrière dans la Ligue nationale que de jouer un an, puis que là, après 2-3 ans dans la Ligue nationale, ça marche plus parce que j'ai pas pris le temps de me développer comme fou. Ouais, non, j'avoue, t'as raison. Puis c'était comment, là, dans le fond, là, quand t'es monté, Wally est monté en même temps que toi, je pense? Wally est monté une semaine avant moi, ouais. Yo, bon, là, on peut pas tout dire, naturellement, mais... on peut pas tout dire, tu comprends? Mais, en quote, le c'est comment avoir Wally dans le show? Là, je parle de, Carl, de Daniel Walcott, pour ceux qui savent pas, là. Ben... je pense que les gars, tu sais, Wally, tu sais, Mikey, il est friendly, oui. Il aime ça avoir l'attention, c'est un bon clown. Tu sais, il est de même à Syracuse. Fait que moi, j'étais pas surpris quand il est arrivé ici qu'il était pas gêné. Il parlait à tout le monde comme si ça faisait 10 ans qu'il jouait ça. Mais tu sais. Non, mais c'est le Wally normal. Puis tu sais, ça, ouais. Ça, je pense que ça t'en prend un parce que, tu sais, mettons, à Syracuse, les pratiques sont tough. Tu sais, le coach est demandant, c'est un excellent coach, mais il est demandant. Mais Wally est tout le temps en bonne humeur. Ouais. Fait que ça t'aide à passer à travers de la pratique si t'as trop tough ou de quoi de même. T'sais. Puis il va faire par exprès. Il sait, si t'es pas content, il va aller te voir et il va te niaiser encore plus. Ouais. T'sais, c'est vraiment un bon Jack. T'sais, à Syracuse, je pourrais. Si Luke Witkowski c'était pas le capitaine, d'après moi, ce serait Wally parce que c'est tellement un gars d'équipe. T'sais. Il va bloquer une shot, il va aller niaiser l'autre bord juste pour pogner une punition. Puis t'sais, il sait qu'il est pas sur le power play. Puis là, il va te regarder puis il va te dire, oh, il va mettre dedans, c'est toi, j'ai fait ma job. T'sais. Fait que. Il est vraiment solide pour ça. Puis ici, je pense que les gars l'apprécient tout. Moi, c'est vraiment un bon Jack. Sans rentrer dans le détail, moi, j'ai vu des photos. Mais j'ai besoin de voir une vidéo de quand ils call les line-up. Tout ce que je vais dire. Mais je les ai pas les vidéos parce que j'ai pas mon sel dans la chambre avant la game. Mais ma première année à Syracuse, il a été blessé toute l'année. Ouais. Il y avait juste ça à faire à penser. C'est qu'est-ce que je vais faire pour surprendre les gars avant la game? T'sais, j'ai déjà vu faire de la lutte avec un melon d'eau. Là. J'adore ça. OK, so là, avec Tampa, là, tu joues avec qui? Là, là je suis quand même chanceux. Les deux dans la game, j'étais avec Pointe et Palat. Le gars, il dit, je suis quand même chanceux. Je pense que t'allais me dire, yo, je suis avec Yannick Gourde. Je suis avec Pointe puis Palat, bro. C'est comment jouer avec fucking Pointe qui va être Hall of Famer, probablement, là. Ouais, écoute, la première game, pour vrai, j'étais plus stressé quasiment que ma première game parce que j'étais comme, je peux pas mal jouer, là. Je joue avec Braden Pointe, ce gars-là. Faut qu'il produise, faut qu'il fasse des points. Kucherov, Stamkos sont blessés. C'est le leader offensif de l'équipe. Puis, j'étais comme gêné un peu de faire des jeux. Je voulais laisser sa place. Puis hier, ça a vraiment mieux été. J'ai fait plus des jeux. Puis écoute, c'était même un gars, si Matt pas stressé, il vient me voir, ça va bien aller à soir, il stresse pas. Puis c'est pas là, même affaire, là, ils m'ont vraiment mis en confiance. C'est vraiment, ils mettaient pas de pression à faire des jeux ou de quoi de même. Là. Mais t'as-tu une anecdote? Là? T'arrives dans la chambre, tu vois, sur le board, c'est écrit Barry Boulet, Pointe Palat. Là, si t'en vas, tu vois les boys, puis c'est contre moi ça. Là. Ben, honnêtement, j'ai pas été les voir eux autres, mais t'sais, Yannick Gauche, je suis un peu proche de lui, t'sais, c'est un Québécois. Mmh. J'allais le voir, puis il m'a regardé, il m'a dit « Ouais, il dit, t'es chanceux. » Fait que là, j'étais comme « Ouais, je m'attendais pas à ça. » Puis là, en plus, j'ai vu que mon nom était sur le power play avec Palat, Pointe, Edmund, puis Killorn. J'étais comme « Ah, OK, c'est pas pire. » Ouais, j'étais bien content. Mais là, toi, OK, parce que moi, j'essaie de rentrer dans ta tête, là, parce que
Moi, demain matin, tu me dis, Kev, tu joues avec Pointe puis Palate, j'achète un nouveau sou. Tu comprends? J'achète des nouveaux souliers. Je vais être le gars le plus fresh à arriver à l'arène. Toi, tu joues avec Pointe puis Palate, c'est quoi tu te dis, là? Quand tu retournes chez vous, là, tu retournes au condo, c'est quoi tu te dis? Ben, honnêtement, c'est dur à réaliser sur le moment. Je pense que je vais plus le réaliser comme dans une couple d'années. Je vais faire, ouais, mes premières games dans le national, j'ai joué avec Braden Point, puis comme tu as dit, il va sûrement être au Hall of Fame, puis André Palate. Tu sais, c'est. Puis Edmund. C'est gros, là. Tu sais, ouais, même, tu sais, Victor Edmund. Puis c'est tellement un gars de terre à terre, tu sais, dans la chambre, puis il me parle comme si j'étais son chum. Tu sais, ça fait un mois que je joue avec, puis il me parle comme si j'étais son buddy. Tu sais, c'est vraiment nice, mais ouais, sur le coup, on dirait, tu sais, j'en parlais justement tantôt avec mes parents. Je pense que je vais le réaliser dans une couple d'années qui est genre, ah, wow, c'est quelque chose plus que je pense en ce moment. Est-ce que il y a quelques joueurs qui t'intimidaient? Est-ce que, ou, tu sais, je sais que c'est ton deuxième call-up, mais, tu sais, moi, voir Victor Edmund avec le cigare et la coupe cette année, c'est encore une des plus belles photos, là, tu sais. Y a-tu un des gars qui t'intimidait un peu? Ben, pas cette année, parce que ça fait déjà, tu sais, 3 camps que je fais. Fait que je disais, mon premier camp, là, j'étais vraiment, tu sais, j'étais starstruck un peu, là. Tu sais, je les regardais sur la glace, puis j'étais comme, ouais, on sait que je fais ça. c'était comme, ils sont vraiment forts, là. Tu sais, ça va prendre une coupe de nez dans la Ligue américaine. Ouais. Mais, tu sais, ils te font sentir à l'aise, puis, tu sais, à la TV, ils ont tellement l'air d'être des intouchables un peu, tu sais, ils sont parfaits tout le temps, que tu veux pas les déranger dans leur routine, mais c'est même eux autres qui prennent le temps de venir te voir, puis de te faire sentir à l'aise. Là, le Montmagny de capoter, là, que tu joues dans le show, là, c'est comment la réception de Montmagny? Ouais, sûrement qu'ils doivent capoter un peu, mais c'est moins pire, je pense, parce que Samuel Blair, mon meilleur chum, il vient de Montmagny. Ah, c'est vrai. Tu sais, fait que lui, il a vraiment fait le buzz là, quand il a joué sa première game, puis sa première game, c'était à Tampa Bay. Fait que, ah, wow! Drôle d'adon, hein. Puis c'était ma dernière année junior, je m'en rappelle encore. Puis ouais, c'est ça, le Montmagny, écoute, c'est une petite ville, mais c'est une ville de hockey assez intense. T'sais. On a une équipe senior A à peu près, puis il y a 1000 personnes par game, tu sais. C'est... Ah, ouais! Oh, ben, tu sais, j'étais à peu près, là. C'est non, mais il doit y avoir du monde. Il y a plus de monde que pour les Alouettes, là. Mais tu sais, quand je jouais junior, j'avais hâte de retourner à Montmagny à Noël pour aller voir, tu sais, mes chums, ils jouaient. J'avais hâte d'aller voir, tu sais, parce que c'est comme l'happening de la ville, tu sais, quand ça arrive. Là, fait que moi, tu vas là, tu prends une bière avec tes chums, puis après ça, tu vas dans la chambre avec eux autres, tu vas prendre une bière, parce que c'est un règlement dans la ligue que ça te prend 2 caisses de 24. Pour l'équipe visiteur après la game. C'est donc bien hot, ça. Puis attends, là comment vous réglez ça, là, COVID, là, comment ça fonctionne? Parce que là, j'ai vu que Vancouver, ils ont tout toussé là, pendant 8 mois. Là, vous autres, comment ça se passe? Parce que je sais qu'à Tampa Bay, c'est free for all. Il n'y a pas de curfew, il n'y a pas rien. Tampa Bay, c'est comme, tu sais quoi? Viens me tousser dans la face. Ouais, c'est un mythe, la COVID, ça, je pense. C'est fou. T'sais, on était issus au jour de l'an pour le camp d'entraînement. Ouais. Puis, honnêtement, c'était quasiment dangereux pour nous autres de pogner le COVID, tellement il y avait du monde à l'hôtel qui ne mettait pas leur masque. Puis tout. Puis nous autres, on était supposés, tu sais, pas pogner le COVID pendant tout. Oui, on était testé à chaque jour, mais si je suis dans l'ascenseur avec quelqu'un qui a le COVID parce qu'il est sorti ou de quoi de même, moi, j'ai la niaiseuse le lendemain. Là, fait que, non, à date, les gars, je pense qu'ils sont sharp, font attention. On est testé à chaque jour, comme je l'ai dit. Fait que. Ah, t'es encore testé à chaque jour? Ouais, chaque jour. Aïe, puis tu fais-tu le crachat dans le truc ou c'est le nez que tu fais? Non, le crachat, on l'a fait cet été. Mais là, c'est juste une espèce de Q-tip qui te mettent dans le nez, mais ils vont pas loin là, comme les premiers tests. Là, ça dure 5 secondes. Ok. Puis là, mettons, quand t'es à Tampa, comment t'es installé, comment ça fonctionne là, quand t'arrives dans le club? Ils te donnent-tu un condo, tu trouves un appart, tu couches sur le plancher d'admin? Non, j'aimerais bien ça, mais non, ils te donnent une chambre d'hôtel. Dans le fond, il y a le Marriott, je pense que le propriétaire de l'équipe, c'est il y a des Marriott, fait que tous les gars qui sont encore là, on est au Marriott. Fait que jusqu'à temps qu'ils te donnent une lettre qui te dit que tu peux prendre un appart, tu restes au Marriott. C'est quasiment mieux de même. Tu payes pas d'appart, pour ta bouffe. Fait que ça te coûte rien. Puis t'es bien dans une chambre d'hôtel. Vous avez passé le camp dans une chambre d'hôtel anyway. Fait que ça change rien pour toi. Là? Ouais, non, c'est ça. On t'habitue. Puis je suis pas tout seul à l'hôtel ici. Il y a Ross Colton qui était call-up en même temps que moi la première fois. Puis David Savard qui vient d'arriver qui est à l'hôtel ici aussi. Ah, c'est vrai. Ouais.
Puis Wally, es-tu à l'hôtel avec vous autres? Ouais, Wally aussi. Garde-le loin, garde-le loin, garde-le loin, gardez-le loin. Fucking Wally, on t'aime. Je sais qu'il va l'écouter, là, on l'aime, Wally. C'est sûr. Mais, OK, ça là, quand t'as fini de jouer junior, là, tu finis de jouer junior, puis là, il y a comme, t'as brûlé la ligue, là. Tu peux pas brûler la ligue plus que ça. Il y a comme rien qui s'est passé. Est-ce que tu t'es dit, aïe, yo, c'est presque fini, ou tu savais que même s'il ne se passait rien sous le coup, il y a quelque chose qui s'en venait? Ben, mon contrat était signé depuis un petit bout. Ah, OK, juste... sur toi, tu m'as fait rendre triste, mais tu avais ton contrat signé. Ah, I see you, Alex! Mais j'avais pas le droit de le dire. C'était comme pour que ça soit officiel le 1er mars, là, tu sais, ouais. Fallait que ça reste plus secret. Ça a fini par. Ça, tout le monde le savait un peu. Ouais. Qu'est-ce que j'avais signé pareil, là. T'sais, je me rappelle, j'avais une entrevue avec Jean-Charles la joie, puis ouais. Le gars des communications à Blainville, il avait dit, pose pas de questions de contrat, première question. C'est vrai que t'as signé avec la Lightning de Tampa Bay? Hey ah. Boy! Là, j'étais comme, oh, mon agent travaille sur ça, là. C'est pas moi qui s'occupe de ça. Mais comment ça fonctionne? C'est d'abord, ton agent, il appelle plein de clubs, puis il dit, yo, le petit, là, il va être fort, là. Comme, donnez-le un... Mon agent, cette année-là, si j'avais 20 ans, moi, ça avait tout le temps été ça, mon objectif. Je savais que ça allait probablement pas passer par le draft. Ouais. J'ai joué déjà 3 saisons, j'ai pas joué junior à 16 ans. Fait que mon agent, à mon année 20 ans, il a envoyé mon CV à toutes les équipes. Mais ton CV, c'est quoi? C'est un papier? C'est un tape? Il a envoyé genre un email disant, mettons, toutes mes stats, mes points forts. Ouais! Ouais. Puis il m'a rappelé une semaine plus tard. Je revenais d'un road trip de Bécomo. À 8h du matin, il m'appelle. Je suis en train de dormir. Puis tu sais, on t'arrive à comme 5h du matin. J'ai dit, c'est mieux d'être important. Il me réveille. Il dit, ouais, t'as deux options. Fait que là, il dit, t'as le Lightning qui veulent te signer un entry level. Là, je dirais pas l'autre équipe, mais il dit, fait que là, j'ai dit, ben là, c'est sûr, je veux aller à Tampa, le entry level, puis tout. Puis là, j'appelle mon père. Mon père me dit, ouais, shit, on a jamais appelé hier soir. C'est le fun que tu le saches avant moi. OK, mais sans dire l'équipe. Es-tu dans l'Est ou dans l'Ouest? Sans dire l'équipe. Dans l'Ouest. OK, c'est bon. Tout est beau. On se le textera tantôt parce que ça m'intrigue. Ça va être à moi. Mais okay, fait, là, après ça, là, il te réveille. Là, tu signes le papier, mais là, tu le dis à personne parce que tu peux pas le dire. C'est comment vivre avec le mensonge? Au vrai, c'était top, mais cette journée-là, je l'ai dit à deux de mes teammates. Oh, déjà, bro! J'étais pas capable. C'est tellement une nouvelle que tu veux partager avec le monde. Puis, tu sais, je leur avais dit, tu sais, parlez-en pas, ils n'ont pas parlé, mais là, tu sais, ma famille le savait. Ah ouais. Mon grand-père était ami avec. Il était ami avec le head scout de Québec, Alain Préfontaine. OK. Lui, il tweet. Hey, félicitations, Alex Barré-Boulay. C'est sûr, tu niaises. Non, puis là, j'étais en train de shooter des pucks à Blainville sur la surface synthétique. Mon assistant coach, il me dit, hey, félicitations. Et je dis, félicitations, pourquoi? Il me dit, ben, ton contrat. Je fais, ah, t'es pas sérieux, c'était pas supposé savoir. Ça fait 2 jours. Puis là, moi, je paniquais. Julien m'a appelé, Julien Brisbois m'a appelé, il m'a dit, fais tout en pas avec ça. Là, anyway, il va avoir rien d'officiel avant le 1er mars. Ah, wow! C'est comment l'avoir comme boss, là? Parce que, bon, on sait qu'il a fait le don au Carabin hockey féminin, puis on sait qu'il met beaucoup de l'avant les Québécois, là. Vous êtes comme 904 Québécois à Tampa Bay, là. C'est fou, pareil, là. Vous êtes comme le petit Québec de Tampa, là. Ouais, mais honnêtement, c'est encore pire à Syracuse, je pense. Nos 3 coachs à Syracuse, c'est des coachs de la GMQ. Mais comment ça se fait? Ben, je pense que... Tu sais, Julien, je dirais en étant québécois, il connaît son monde. Tu sais, ça n'empêche pas qu'il va engager des très bonnes personnes de hockey ailleurs. Mais tu sais, je pense qu'il connaît son monde au Québec. C'est juste plus facile pour lui, probablement, de parler avec le monde du Québec. Tu sais, que ça fait longtemps qu'il a des connexions avec. Là. Oui, mais ça marche. C'est ça l'affaire. C'est comme un message à toutes les équipes de la Ligue pour dire, bro, regardez, on peut, il y a du talent ici, puis bon. C'est à ce moment-ci que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du podcast. Tantôt, j'ai nommé les filles, j'ai oublié de nommer ma gueule Lauriane Rougeau. Hein. Je t'aime, Lauriane. Hein.
Je veux pas que tu penses que je... Oh my girl, Lauriane Rougeau, I love you girl. Je t'envoie des ondes positives, puis je sais que toi aussi, j'ai oublié de te nommer au début. My bad. Tu crois? Fuck la pérennité du pod. Parle de Lauriane Rougeau en ce moment. Non, mais quoi qu'il faut que je dise aux gens d'acheter des billets pour le 6 mai, pour le show live, parce que ça aussi, c'est important, parce que god damn, ça a beaucoup de chasse. Il faut que les gens achètent les billets, il faut que les gens soient présents. Faut que les gens... Michael Kingsbury va être live! Live! Vous allez pouvoir voir Michael Kingsbury à travers vos écrans. So, 6 mai prochain, Evan Britt, allez acheter vos billets, vous marquez sans restriction live, vous allez le trouver, c'est facile. Ou le lien est dans la bio Instagram maintenant. Lauriane Rougeau, grande défenseur, deux oeils au beurre noir aux Olympiques, de Pyeongchang. On t'aime, Lauriane, on pense à toi aussi. J'ai oublié de te donner, je voulais prendre le temps de tout te donner la place possible parce que t'es importante, t'es pertinente, t'es merveilleuse. Sur ce, on s'en va retourner écouter Alex Barré-Boulet. Baby! Ces questions-là, je la pose souvent, mais ça donne toujours des très, très bonnes réponses. So, si, mettons, tu meurs demain, là, mais avant de die, t'as un pick-up game. Faut que tu choisis un gardien, deux def, puis deux alliés pour jouer avec toi. Tu prends qui? Ça peut être n'importe qui. All time ou... All time. Goaler, probablement, j'irais avec Patrick Roy pour voir son caractère. Mais là, tu l'as vu en tant que coach? J'ai jamais eu Patrick Roy comme... J'ai pas joué contre. Quand l'année que je suis parti... Ah, t'as pas joué contre? L'année que je suis parti, il arrivait. Moi, c'était Philippe Boucher qui coachait à Québec. Ah, ok. Ouais. Fait que Patrick Roy, je dirais à défense, je prendrais probablement Nicolas Lidström. Wow. Après ça, ça me prendrait... Ben, je vais y aller avec Edmund, parce qu'il est assez solide aussi. Ouais, puis c'est ton capitaine. Ouais. Ou ton assistant capitaine. Ouais. L'attaque, all time, ben là, c'est dur de pas y aller avec Gretzky le mieux. Yo, ta dernière game, tu veux gagner, là. Ben là, oui. Ma dernière game, tout semaine avoir du fun. Ma dernière game, moi je joue avec genre des poches, juste pour qu'on boive de la bière sur le banc. Moi je joue qu'on bench. Oh man, yo, je suis tellement content. Ok, so, là t'es à Tampa Bay. Là t'as joué, je m'en rappelle pas c'est contre qui les clubs que t'as joué à date. Là. T'as joué contre, mais à la fois vous jouez juste contre votre association. Là. Mais ouais, t'as pogné Floride. Floride, Caroline Détroit. OK. Y a-tu un joueur qui t'a joué contre là-dedans dans les quatre premiers matchs? Mettons, à part Duke, là, on va dire que Duke, il est nice, là. Mais à part Duke, y a-tu un joueur qui était comme, aïe, je suis sur la même glace que lui, là? Ben, honnêtement, avant la game, tu penses un peu, OK, ouais, ce gars-là, c'est, tu sais, mettons, je prends comme exemple Barkov, ouais. ou Huberdeau en Floride, c'est des joueurs qui sont incroyables. Là. C'est des tops dans la ligue. Mais pendant la game, honnêtement, t'as pas le temps d'y penser. Parce que si tu te mets à y penser, tu vas te faire passer à côté comme si t'étais même pas sur la glace. Fait que, tu sais, dans le warm-up, je regarde pas le ball. Ah, tu regardes pas le ball dans le warm-up? Non. Non, parce que je veux pas que ça arrive. Ok, je comprends. Ok, admettons, ouais. Là, ok. Parce que là, tu joues avec Pointe puis Palate. Fait que, tu sais, ça arrivera pas. Mais dans toute ta carrière, c'est sûr que c'est arrivé à un moment donné, tu jouais avec quelqu'un. La personne parle un petit peu. Mettons, tu joues avec Wally parle trop, puis il y a comme un goumin, il y a une escarmouche qui se fait. Est-ce que toi, tu dis, tu sais quoi, je prends la décision business d'aller trouver mon ombre ailleurs, ou t'es comme, ah yo, il faut que je donne un coup de poing? Ben, ça m'est arrivé. L'année passée, tu demanderais à Wally, justement, c'est arrivé. On est à Toronto, puis tu sais, j'ai jamais droppé. Jamais. Tu sais, je veux dire, ça me tente pas de partir en ambulance, hein, j'ai pas acheté pour ça. Que... je reste calme là-dessus, mais on est à Toronto, puis Wally, tu sais, c'est probablement le meilleur dans l'équipe pour ça. Si il voit qu'il y a un gars qui est plus petit que lui, qui se fait pogner par un gars plus gros, ouais. Il va lâcher le gars avec qui il était, puis il va sauter sur l'autre. L'année passée, on est à Toronto, puis un petit okay. Scrum après le sifflet. Puis là, le gars, il essaye de me brasser un peu. J'ai vu Wally arriver, puis legit, il lui sautait dessus. Wow! Je vais garder mon gars, là, je vais pas dropper mes gants, mais je vais pas laisser un gars être en désavantage, mettons, deux contre un, là, quand même. Mais quand... OK, parce que moi, je suis toujours demandé. Moi, je me suis jamais battu au hockey. Bon. Mais mettons, tu sais que tu vas manger une volée, là. C'est quoi ta priorité? C'est est-ce que je me protège ou j'essaie de rentrer peut-être le Lucky Wonder Punch, là?
Moi, je pense qu'honnêtement, j'essaierais plus de me protéger que d'autres choses. Je pense pas. J'ai pas la portée pour Lance Lucky Punch. Lucky Punch. Là, c'est quoi tu fais pour relaxer, là? Parce que bon, là, t'es pogné à l'hôtel, là. C'est quoi tu fais pour relaxer pas mal, là? Je joue Xbox, là. J'attaque mon MLB de show. Il download sur mon Xbox. Puis, combien? Attends, t'as acheté de show? Ah, ouais. Puis tu joues les games complètes? Ben, j'ai pas commencé encore, là. Il download. Il se peut sortir le 20, mais je sais pas pourquoi il download en ce moment. Fait que je sais pas si j'ai eu le droit de l'avoir avant, là. Mais, parce que je pense que c'est la première année qu'il sort sur l'Xbox en comme 10 ans. Ah, ouais. Avant, il était juste sur PS4, puis moi, je suis sur Xbox, fait que là, j'attendais qu'il sorte. Fait que j'attends ça. Sinon, ouais, je joue Xbox pas mal. Mais mettons, quand tu joues à MLB The Show, là, parce que moi, j'ai joué quand même longtemps à MLB The Show, mais c'était trop long, les games, 9 manches, là. Ouais, ben c'est pour ça que moi, je me fais souvent des road to the show, là. Tu sais, je pogne mon gars, puis là, tu fais juste les jeux que tu joues. Fait que, ouais. Ah, shit, c'est une bonne idée, ça. Je vais peut-être l'essayer. Ouais, ah, ben, je vais peut-être l'essayer. Comme un, c'est comme un Be a Pro à NHL. Mais Road to the Show. Oh, je vais aller downloader The Show tantôt, là. Je vais perdre 80$, là. Puis sinon, tu joues à quoi d'autre au Xbox à code? Tout le monde joue à code. Non, je suis pourri. Tu joues à quoi? Non, j'ai essayé. Ma dernière année junior, j'ai essayé parce que tous les gars, ils jouaient, mais j'étais tellement pas bon que je pognais une heure, puis j'arrêtais de jouer. Là, en ce moment, je joue à F1. Oh, pas fucking mal. Right! Moi aussi, je joue. J'ai joué toute la matinée. Mais tu viens de jouer à ça, tu sais, y a personne qui joue à ça. Eh non, moi j'ai joué à matin, tu prends qui quand tu joues? Ben, je me fais mon bonhomme, je me fais ma carrière. Oh, fuck off, man. Moi je prends le whisk, puis je gagne. Ah, c'est trop facile. Mais non, sinon, tu sais, je joue à, mettons, Assassin's Creed, le nouveau qui est sorti, ou ben, j'aime ça faire des jeux, il y a des quêtes, genre, tu sais, Far Cry, puis des choses comme ça, ou NHL. Puis, quand tu joues à NHL, là, tu joues avec ton bonhomme? Ben, je me fais des bureaux pro, mais sinon, des fois, je joue avec mes amis online dans les ligues 5-3 contre 3, là, mais. Mais non, sinon, mais tu prends ton bonhomme. Je suis pas assez bon. Pas assez bon dans le jeu. Yo, l'autre fois, j'ai fait un trade pour aller te chercher, j'ai fait. Ah, yo! Décevant. La première fois que t'as vu ton overall, c'est quoi t'as dit? Ben, il augmente d'année en année. Oui, il augmente. Fait que je suis quand même ok, à un moment donné, ça va être correct. Là, t'es genre 71, là, l'affaire de même. Ouais, mais là, vu que je m'étais fait call-up, pis j'étais genre monté à 78. Oh! À qui tu fait que là, j'étais. Mais je me demandais, j'étais curieux l'autre fois, j'ai fait un update. Là, j'étais rendu à 78. Donc, j'étais content. Yo, le gars me fait rire, man. Ok, ça, là, tu joues à NHL, ok. Attends, F1, juste revenir à ça. Est-ce que tu suis un peu la F1? Est-ce que tu regardes un peu les vraies courses ou c'est vraiment juste parce que tu tripes sur le jeu? J'aime le jeu, je vois pas, j'ai commencé à jouer comme au mois de janvier, mais okay, non, ouais. Je suis pas tant ça, honnêtement. Moi, me lever à 3h du matin et checker une game, pas une game, mais une course en Italie. Yo, Imola était insane aujourd'hui, ok? Imola était sick! J'ai failli mourir en l'écoutant parce que je capotais. Ok, puis c'est quoi t'écoutes comme série? C'est quoi qui t'écoutes? New Amsterdam? Non, mais à cause que j'ai commencé à jouer à ça, j'ai commencé à écouter Survive to Drive. Là, ah oui! Ça, c'est pas pire. Sinon, honnêtement, aux États-Unis, pas tant que ça, parce que j'aime gros les séries québécoises. Ah, c'est quoi t'aimes au Québec? C'est nice que tu me dis ça. Ben, mettons Les Beaux Malaises. Ben oui. Évidemment, ben oui. C'est un classique. T'sais. District 31. Je suis un gros fan des. Ouais, mais c'est ça, je peux pas les pogner live. Ah. Parce que je suis aux États-Unis, puis mon sel est américain, fait que ça me dit que je peux pas écouter les émissions sur V, mettons, en reprise de quand même, ou sur TVA. Ah, fait que j'ai écouté Victor Lessard. Victor Lessard. Très bon. J'ai écouté Les Beaux Malaises. Gros fan des Boys. Très nice. Tu sais que c'est mon rêve de jouer dans les Boys. Hein? J'ai recommencé à courir là, depuis quelque temps. Là, pour être en shape. D'un coup, qui m'appelle pour les auditions pour jouer dans les Boys. Ouais, mais c'est quand qu'il veut sortir? Là? Il y a un nouveau film qui va sortir? Ouais, ils ont dit qu'il y avait un film qui allait sortir. Moi, j'ai dit, tu sais quoi? Je vais courir. So, je vais lose le weight. Puis là, après ça, s'il m'appelle... Patiner, je suis correct, là. Mais le weight, c'est ça qu'il faut lose. Là. Pour ça, je devrais être pas pire. Ben, tu sais quoi qui est le plus tough de tout, à date de tout ton le call-up? Là. Bon, là, t'as l'hôtel, t'as joué pro, t'as tout ça. C'est quoi qui est le plus tough? Ben, je pense que c'est juste entre les deux oreilles. T'sais, tu sais jamais si tu vas te faire send-down en arrivant à l'aréna. Ah, ouais. Tu sais jamais si tu vas jouer, si tu...
T'sais, fait que ça, c'était un petit peu tough, mais je pense que j'ai appris de ma première fois, puis là, je vais juste au jour le jour. Mais si j'arrive à l'arena, mon nom est sur le line-up, tant mieux. Puis ton feeling, c'est quoi à date, là? C'est quoi ton feeling personnel par rapport à 4 games que tu as joué, là? Non, on est dimanche le 18 avril. Ça a bien été, là. Ouais, je suis pas capable d'acheter un point, mais... ouais, mais ça va super bien. Tu sais, pour vrai, là, c'est... Tu sais, j'ai de la glace aussi. Les deux dernières games, j'ai joué 16 minutes. Ouais, j'ai vu ça. Ça va super bien. Je pense que le coach, pour un call-up, il me fait quand même confiance. Fait que ça va super bien. Puis les gars me font sentir à l'aise. Fait que j'ai pas de stress. J'y vais au jour le jour. Si je retourne à Syracuse, je retourne. Tu retournes. Puis c'est ton jersey 60. C'est 60 qu'ils t'ont donné, je pense. C'est quoi le numéro? Yo, quand j'ai vu ton numéro, j'ai dit c'est qui? C'est José Théodore! Vous ne voyez pas le vidéo, oh, guys, mais le fou rire est là! Parce que aucun entraînement. C'est ceux qui t'ont donné un goalie cut! Oh. Oh my god, 60! Ok, vas-y, compte-moi ça! C'est parce que au camp d'entraînement, ils te donnent un numéro, tu sais, par rapport juste pour que t'aies un numéro. Ouais. Puis c'est ton numéro si tu te fais call-up. Ouais. Fait que moi, j'étais chanceux, j'ai pogné 60. Fait que. Non, c'est ça, je me plains pas, là. C'est juste un numéro, mais si je te cite à long terme, des bonnes chances que je le change. Tu sais quoi? Quand j'avais eu Nick Baudin sur le podcast, j'avais parlé de son numéro, il m'avait dit « Ah, yo, je vais garder mon numéro, tout. » Fait que j'avais acheté son chandail pendant qu'on faisait le podcast, et je l'ai quelque part dans la collection. Je vais pas acheter ton chandail 60, je vais attendre un peu, OK? Mettons, ta famille, tes amis, puis les gens autour de toi, ils ont-tu acheté le 60 pour que vous voulez? Non, je leur ai dit de pas le faire, parce que... Le 60, c'était un petit peu. C'était un numéro, là, c'est pas grave, mais. S'il y avait eu le choix, j'aurais choisi probablement le 12 comme j'ai à Syracuse. Y a-tu déjà un 12 à Tampa? C'est de voir. Non. Il me semble que non. Non, non, il n'y en a pas. Fait que ça va pas te coûter une Rolex. Non, puis anyway, si c'était pour ça, je garderais le 60. Oh man! Puis à Syracuse, c'est comment? Parce que je sais qu'à Syracuse, c'est. Moi, c'est une de mes villes préférées aux States, parce que j'avais été voir les Orange Men jouer. Puis la ville. Ok, regarde-moi pas de même. Attends un peu. J'avais été voir les Orange Men jouer, ok? Puis le campus, il était orange. Puis ça m'avait fait capoter. J'étais comme, yo, ouais. Les lampadaires sont fucking orange, genre. Puis en tout cas, c'était un bon party là-bas. So, yo, c'est. Wally, il me raconte des histoires de Syracuse qu'on peut pas dire sur le pod. Mettons, pour un gars de Montmagny qui débarque. Hey, Wally, c'est le maire. Mais pour un gars de Syracuse, de Montmagny qui débarque à Syracuse, c'est comme Syracuse, New York. Parce que j'avais joué un an et demi à Blainville. Tu sais, Blainville, c'était à côté de Montréal. Ah! Tu sais, fait que je l'avais habitué un peu là, mais c'est sûr qu'écoute, c'est une grosse ville de football et de basket. Ouais. Le dôme à Syracuse, c'est vraiment le fun. J'étais allé voir le football une fois, puis c'est vraiment sick, là. Il rentre peut-être même 30 000 personnes dans le stade. C'est quand eux, ils jouent, nous, on joue en orange aussi. Ah! C'est quand même sick, là. C'est une atmosphère le fun, puis c'est sûr, le campus, c'est vraiment beau. C'est sharp, mais quand tu sors du campus, la ville est un petit peu moins le fun. Ouais, non, ça, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis sur le campus. Pas sur le campus de Syracuse que j'aime, c'est pas la ville. Mais, c'est ce que j'allais dire. Ton chandail, je reviens là. Mettons que tu t'es send down, là. Tu gardes-tu ton chandail ou tu le redonnes? Celui-là, je le garde parce que c'est ma première game. Ils me l'ont donné. Ils mettent une patch dedans. Tu vas pouvoir l'avoir. Ouais, moi, je veux l'avoir. Ils mettent une patch de moi. Ah, no way! Ça dit First and Eight. Game dedans. Wow! Fucking nice! Fais-tu faire quoi avec? Vas-tu l'encadrer? Ouais, ben mon père, chez nous, dans la cave, il y a déjà un petit setup là, pour mes affaires de junior pis tout. T'sais, en ce moment, je me demande, je pense qu'il y a le chandail de la série Canada-Russie qu'on fait junior. Là. Ouais. Il y a le chandail dedans, fait que d'après moi, il va changer.
Ah, yo, c'est très, très nice, man. Moi, je suis juste te dire, fier de toi. On va continuer sur ces 30 minutes qu'on fait d'habitude. Là, on a dépassé un peu parce qu'on a du fun, là, mais je veux pas te retenir trop longtemps. La MLB de show, on finit de downloader bientôt. Quand tu joues à MLB, tu prends quel club? Ben, c'est ça, ça fait 10 ans qu'il n'a pas sorti sur l'Xbox. Ah, tu sais pas, c'est ça, tu sais pas. Pas là, tu m'enverras des stories de ton de show. Ouais, mais t'as envie de... Je vais aller le downloader pour vrai tantôt, par exemple. J'ai hâte de l'essayer. Mais pour vrai, on est fiers de toi, continue. No matter what, on te suit, man. Puis quand tu vas avoir ton premier but, ton premier point, on va être là pour crier. Puis chaque shift, on va espérer que Palat te mette sa palette. Merci, c'est ça. Si y a quoi que ce soit, bro, blame it on Palat. C'est ça le truc. Ouais, ça va être plus blame it on me, je pense. Blame it on me. Fais attention à toi, je suis vraiment content de t'avoir jasé, big. Ouais, merci, moi aussi. Yeah, gros pod. C'est très nice. J'aime beaucoup Alex. J'adore Alex. Good guy, Alex. On s'est parlé un peu. J'ai fou t'acheter MLB de show à cause de lui, là. Le jeu est fucking tough. Le jeu est ben trop tough, MLB de show. Comment tu veux jouer? Je suis en train de me partir ma carrière en ce moment. Je prends strikeout. Je suis poche. P-O-C-H-E, poche. J'haïs le jeu. Mais ce que je sais, c'est que s'il y a une araignée dans mon sous-sol, oh là, je la pointe en ce moment. Je vous jure qu'il y a encore la marque. La marque est là. Depuis ce jour, j'ai jamais vu d'autres araignées dans le sous-sol, hein. Je regarde partout en ce moment d'un coup que. Depuis ce jour, j'en ai jamais vu d'autres. I'm just saying. Sur ce, merci d'écouter le pod. On se voit le 6. Ben, en fait, il va y avoir des pods entre le 6 mai. À chaque épisode jusqu'au 6 mai, on va dévoiler un nom. Puis donc, sinon, suivez la page Instagram. On va dévoiler les noms à chaque jour, je pense, ou à chaque deux jours. Parce que c'est un gros party, là. C'est pas juste un invité, c'est pas quatre invités, c'est... C'est un party, c'est un four roulant. Puis j'ai mon Macallan 12 ici. Qui est encore bon. Oh shit! Fait longtemps. J'ai mon Macallan 12. Puis je suis. Ouh! Quête! L'affaire est en train de déchauder mon centre du corps. Ok, on dirait que j'ai avalé une boule de feu. Ouh! Macallan 12, Estate. J'ai bien hâte de boire ça avec vous. J'ai bien hâte de festoyer avec vous. On se fait un gros party 6 mai prochain. Show live, sans restriction. Partner du pod Bruno va être là. Vous allez peut-être voir le studio aussi. Hein. Si on le fait dans le studio, vous allez peut-être voir le studio. Donc, ça va être une première pour tout le monde. À moins que vous nous suiviez sur Instagram, naturellement. Puis sinon, n'oubliez pas d'acheter le gear sans restriction. Puis comme ma main Torch le fait, vous pensez à personnaliser ça. Puis si on est capable, on le fait arriver, guys. Travail d'équipe. On est une famille, puis on va vers l'avant, puis on continue de supporter le sport féminin, le hockey féminin, et puis that's it. So, la semaine prochaine, c'est un rendez-vous. C'est ça qui peut être l'après dédié à chaque lutte. Ça, c'est une affaire de vieux. À la semaine prochaine, c'est un rendez-vous! On l'aime, Pat, on l'aime.